Cette nuit-là, j'ai adopté une nouvelle méthode. La cage resterait ouverte tout le temps, pour qu'il ait la liberté de sortir et de choisir sa distance préférée avec moi. T'en veux ? Non ? Bon, d'accord. C'est bon. Allez, t'en veux pas ? Tant pis pour toi. Fatigué, hein ? Regarde, je te le pose là. Je passais nuit et jour dans la salle des cages, en espérant qu'il finirait par comprendre que je ne lui voulais pas de mal, qu'on pouvait devenir complices. Et une nuit, ça a marché. Il m'a rejoint, et tout a changé. T'aider, d'accord? Et c'est ce que je vais faire. T'aider à te sentir mieux. Hein, tu me suis? Tu dois manger et faire des exercices, d'accord? Et tu vas te sentir mieux. Allez, c'est un ordre. En quelques jours, il a recommencé à se nourrir. À s'intéresser à ce qu'il y avait autour de lui. Il reprenait vie. J'avais réussi.